Je dirais que c'est la population qui a gagné ces élections. Ce n'est pas moi, Annick Comier, en tant que personne physique, mais vraiment c'est une victoire pour la population et c'est la victoire de la population et non de Annick Comier. La première des priorités est pour moi de faire un audit, de faire un état des lieux de la situation de la collectivité pour voir qu'est-ce qu'il en est d'un point de vue financier, d'un point de vue ressources à la fois humaines, économiques, etc. Et dans un deuxième temps, il y a un dossier qui est en cours, c'est le dossier concernant les négociations avec les agents municipaux. Donc il faudra en fait mener à terme ce dossier. Et car je reste persuadée qu'une municipalité, c'est à la fois son conseil municipal et ses agents municipaux qui sont au service de la population. Quel était l'axe fort de votre programme ou avez-vous fait la différence selon vous? Alors, l'axe fort de notre programme, c'est que justement, on a présenté un programme avec des projets concrets, réalistes à la population. Et d'ailleurs, ce sont des projets qui émanent d'ailleurs de la population parce que nous avons vraiment fait ce qu'on appelle aujourd'hui des actions participatives. On a vraiment mis en place une démarche participative où la population a été sollicitée à maintes reprises pour pouvoir justement élaborer ce programme.